Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors le temps me permettant pas d'être dehors pour faire des vidéos, j'ai décidé d'en faire une qui me trotte depuis un moment, avec la 22, sans lunettes, puisque je vais tirer à très courte distance, et que la lunette ne me sert à rien. J'ai aussi viré mon réducteur de son, puisque je ne voulais pas l'abîmer, car on va tirer des munitions en 22 grenailles. Voilà. Est-ce que ça peut servir pour la défense du domicile? Que tout le monde pourrait se poser, et écoute, moi ça va m'amuser de le faire. Alors, lunettes obligatoires, je vais tirer dans du bois et dans une plaque d'alu. Je vais vous mettre face aux cibles, parce que j'ai personne pour me filmer, et on va voir ce que ça donne. Ok, donc j'en ai alimenté dans le chargeur, il m'en reste deux ici, et on va voir si ça impacte vraiment et si ça peut dissuader en tout cas pour remplacer le 12. Alors, encore une fois, c'est pas recommandé, il faut que la menace soit immédiate et que la réponse soit proportionnée. Voyons voir ce que valent ces petites munitions de grenaille. Ok? Allez, on est parti, à tout de suite. Donc là, on a le bois d'un côté, je vais alimenter une cartouche. Et on va voir ce que ça donne. Protégez-vous bien quand vous faites ça, hein, d'accord? C'est important. Oh la vache, c'est minuscule, hein. Pas mal, ok. On va voir dans l'alu. C'est vraiment, vraiment minuscule en fait. C'est ouais, impressionnant, c'est marrant. Ok, on verra si ça a traversé après. On va faire l'aluminium. Oh la vache! Merde! Alors, est-ce que ça a traversé? J'en sais rien. Mais putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie là? T'as vu la gueule de l'alu? Sérieux? Non mais, hé. Hey. Regarde-moi ça! Putain! Bah est-ce que ça passe? Je sais pas, hein. Après je vous dis, ça doit impacter. Et je crois que c'est passé de partout en fait. Oh là, oh, ça doit être violent quand même. Bon, allez, on remet un coup dans le bois. Je me rééloigne. Putain, impressionnant quoi. L'alu. Oh, je suis un enfant, arrête tes conneries, Mika. Et ça, c'est la dernière. Après, je remettrai les deux autres. On fera le compte rendu. Hein. Mais putain, je connaissais pas en fait. Oh, la vache. Ah ouais, c'est précis en plus. Je suis à 4 mètres, hein. Donc, je vous dis pas le bordel! Et ça peut être vraiment intéressant en fait. Hein. C'est une bonne alternative ça. Ça doit friter, mais sans trop friter en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça veut rien dire, mais. C'est-à-dire, dans une carabine, tu as moyen de faire du mal, quoi. Let's go! Go! Oh la vache, allez, tu prends ça, t'es pas bien. Oh là là. Bois pour la dernière. Terminé. Allez, on va aller à la conclusion. On va la faire ensemble surtout. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte de la violence du truc en fait. Alors, je vais vous mettre devant la plaque d'alu et puis on va la démonter ensemble. Hein. Je pense qu'il n'y a que ça qui parle. Merde. Putain, elle est défoncé quoi. Putain, je m'attendais à un truc qui ricoche, tu sais, comme c'est de la 22. Ça va pas me faire chier 15 ans. Ah ouais, voilà, sévèrement. Ah ouais, ça a traversé tout quoi. Regarde-moi ça. Putain, merde. Putain, je vais mettre la main dedans, je vais regarder. Ah, on est passé. Oh, on est passé aussi derrière. On a traversé? Non. Attends, laisse-moi vérifier si on a traversé. Deux petites secondes. Je vais te mettre vers le bois. Là, tu vas avoir un peu la gueule du bois. Et on a traversé derrière quelques billes. Il y en a une qui est dans le. Putain, la vache. D'accord, ok. Bon, ça, c'est la plaque d'alu. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce bordel. Merde. Regarde-moi ça.
Eh, tu ressembles à un steak tartare après, quoi. Violent, quand même, hein. Et c'est la mini, 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 mini chevrotine, quoi. Enfin, mini, mini grenaille, quoi. Putain, puis ça l'a éclaté, quoi. Regarde ça. Truc de fou, quand même. Ouais, je valide. Alors, la planche en bois, fais voir. J'en avais mis deux, en fait. Deux planches en bois. Alors, ça va quand même dissuader, à mon avis. Oh, on a percé les deux, hein. Oh, la vache. Oh, regarde-moi, oh, regarde, oh, le carnage derrière. Oh, regarde, regarde, faut que je te montre. Il y a toutes les... Toutes les, regarde, toute la sûre et tout, regarde ça, regarde comment ça a mis en morceaux. Regarde-moi ce gueule, là. Regarde ça. Merde. Ah mais c'est dangereux, oh, calmez-vous les gars. Même là, regarde, ça a passé, toutes les billes sont passées. Et fais voir la deuxième. Attendez, je remets avec moi. Bon, c'est une vidéo à l'arrache, hein. Critiquez pas, on n'est pas à Hollywood. À Bollywood, tiens. Alors, la première, la deuxième... Putain, la vache. On a des petites... Ah, oh, c'est passé, hein. Ah, oh, la vache, regarde ça, c'est passé, hein. Merde. Putain, c'est vraiment un... pas mal. Et là... Oh, là, ouais. Non, ça fait du carnage, quand même, hein, dans le bordel. Ah, il y a des micro... Je vois des microbilles rentrer dans... Ah, ça doit être un carnage quand ça te rentre dans la peau, ça. Il y a des quelques microbilles qui sont restées dedans. Je sais pas, on va pouvoir les apercevoir, mais c'est vraiment des... Ouais, c'est même pas des billes, c'est des... Des morceaux de métal, en fait, de merde. Attends, on va essayer de la péter, la planche. Ah, tu les vois, là, je pense. Non? Ouais, je pense que tu les vois. Il y en a quelques-unes, les autres sont passées. Mais putain, ça doit taper, frère. Et ça doit faire mal, hein. Surtout, c'est la planche d'alu, quoi. C'est ça, mon gars. Non, tu prends ça dans le bocal, tu fais demi-tour, quoi. Il faudrait que je le teste sur des vêtements. Morceau de jean ou quoi, mais à mon avis ça passe sans problème, hein. Si ça a percé ça, plus le carton, plus derrière. Voilà, bon bah j'ai utilisé toutes tes munitions, Seb, du coup, parce que Seb il me les a envoyées, j'en ai plus, voilà. Mais je vais essayer de retrouver, tiens, et peut-être on verra un petit peu s'il y a des... Putain c'est dingue, ça déchire quoi. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésite pas à t'abonner, je te mets des liens en description pour MaxiProtect et des codes de réduction valables sur tout le site. Voilà, abonne-toi, laisse un petit like, ça fait toujours plaisir. Mais putain, regarde-moi ce carpaccio qu'on a fait avec cet alu, quoi. C'est violent. Allez, tchuss.